Chers amis internautes, en ce mois de septembre, beaucoup ont terminé leur temps de vacances, temps de repos, de ressourcement, de changement. Certains ont repris le travail, le chemin de l'école ou s'apprêtent à faire la rentrée scolaire, universitaire, lycéenne, etc. On pourrait peut-être méditer sur le sens de recommencer une nouvelle année de travail, une nouvelle année scolaire, pastorale, parce que pour nous chrétiens aussi, la rentrée, elle va durer quelques semaines, le temps de relancer toutes les activités pastorales, tous les groupes, et c'est peut-être pour nous l'occasion de faire une petite méditation sur le sens d'une rentrée à vivre ensemble dans toutes ses dimensions, rentrée scolaire, pastorale, paroissiale, rentrée au travail, parce que finalement, chaque année scolaire pastorale qui s'écoule est l'occasion de vivre un nouveau commencement ou un recommencement. Alors on pourrait peut-être s'arrêter un instant sur la dimension scolaire de la rentrée, puisque beaucoup d'enfants, de jeunes reprennent le chemin de l'école, simplement pour nous baser un petit peu sur cette réalité, en disant que pour nous chrétiens, la rentrée, c'est aussi se remettre ou se mettre à l'école de Jésus-Christ. Alors là, c'est particulièrement intéressant d'en parler, pour la simple raison que lorsqu'on recommence une nouvelle année de travail ou une année d'études, c'est pour vivre une nouvelle dimension, peut-être un échelon plus haut, puisqu'on vit une nouvelle année. Bon, certains vivent le redoublement qui n'est pas facile, qui n'est pas simple, parce que l'année s'est mal passée pour X raisons. Alors on peut penser à toutes ces personnes, mais j'aimerais que celles et ceux qui doivent refaire une année ne se découragent pas, parce que pour certains, c'est l'occasion de prendre plus de temps par rapport à un palier, à un échelon. Et ce n'est peut-être pas forcément ni une punition, ni une sanction, ni un temps perdu. C'est peut-être l'occasion de reprendre des choses qui n'ont pas été acquises et de les approfondir. Alors, à l'école de Jésus-Christ, de toute façon, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de course j'allais dire, au résultat. C'est simplement prendre conscience que on n'a jamais fini d'apprendre dans cette école. Parce qu'à l'école de Jésus-Christ, on est à l'école de l'Évangile et on n'a jamais fini d'apprendre à aimer, à être aimé, puisque le but de la vie, c'est de vivre l'amour qui conduit au bonheur. Alors, pour que cette rentrée du mois de septembre puisse aussi être vécue dans le sens d'une dynamique de l'Évangile, je souhaite à toutes celles et ceux qui vont recommencer cette nouvelle année de travail de ne pas simplement se limiter à la dimension professionnelle, scolaire et humaine de la rentrée, mais qu'on puisse vraiment vivre ensemble aussi la dimension de la foi, c'est-à-dire de la confiance. Chaque rentrée est pour nous un appel à renouveler notre confiance en Dieu et peut-être cette fois-ci de la vivre à un échelon supérieur, à mettre peut-être le cap sur pour une destinée encore un peu plus supérieure, c'est-à-dire que il y a une gradualité dans la confiance à vivre, ne pas se contenter de vivre des acquis dans le domaine de la foi, mais de continuer à l'approfondir. Alors à l'école de Jésus-Christ, je souhaite à tous nos amis internautes de prendre conscience de cela, de prendre toute la mesure, de vivre aussi la croissance intérieure, parce que lorsqu'on fait une rentrée scolaire, c'est pour, comment dire, c'est pour accumuler des connaissances, pour aller plus loin dans les compétences, dans les capacités, dans la connaissance, mais n'oublions pas que nous avons aussi à grandir dans la connaissance de soi, des autres, de Dieu, et ce n'est jamais, on n'a jamais fini d'être à l'école de Jésus-Christ dans ce sens-là. Alors, pour que nous puissions les uns et les autres vivre pleinement une rentrée pastorale,
une rentrée à l'école de Jésus-Christ, nous pouvons peut-être demander à l'Esprit-Saint qu'il nous aide à vivre à chaque instant à partir de ce moment sous la nouveauté de l'Esprit-Saint qui nous conduit vers des chemins, des horizons nouveaux, à savoir vivre la rencontre de l'autre comme une étape nouvelle dans notre propre cheminement de vie et de foi. C'est dans cet esprit que je souhaite à chacune, à chacun de vivre une nouvelle année de travail dans la paix, dans la sérénité et dans la confiance.